Salut à tous et bienvenue pour une autre vidéo du Binero. Là, la vidéo précédente, j'ai fait le Binero puis ça n'a pas pris de temps. Puis j'ai pas vu le règlement numéro 3, deux lignes ou deux colonnes qui doivent se ressembler. Bon, ça c'est un autre drill. Bon, ici, tu as 2-0 de tollé, là, on sait s'il est 1. Un 1 ici. Un 1 là. Il y a plutôt de 1, ça drill, hein, 2 là. Deux là, deux ici, deux là aussi, il y a un là. Là, vous voyez la cinquième ligne, il y a déjà 5, un demi. Il y a 2-0, ici, c'est bien, il faut mettre 0, 1. Quatrième colonne, il y a déjà des 1, 2, les 5-0 sont mis. 1, 0. Ah ouais, parce qu'il y a 2-1, il ne peut pas avoir de 1 là, c'est 0. 1, 0. Première ligne, première rangée, il y a déjà 5, 1, demi. Le reste des zéros. Bon, ici, deuxième colonne, il y a déjà 2-1, de 2 tasses à 24, c'est des zéros qui vont au bout. Un là. Un là. Un là. Bon, ici, la troisième ligne. Il y a tac 1 et 2-0. Tac 1, dont le 1 ne peut aller là. Il y aura un trio de 0 à droite. Puis le 1 ne peut aller là. Il y aura un trio de 0. Bon, ici, ça a été la cinquième colonne, il y a déjà 2-1 colonnes ensemble, là, tu sais, c'est 0 qui va là. Bon, ici. On peut pas déduire. La troisième colonne, on peut déduire. Le 1 n'est pas allé là. C'est un 0 direct. 7, ça ne peut être un 1 non plus. Là, je trouve des chiffres déjà. Là, je date comme il faut. Je peux rien déduire là, je peux rien déduire là. Ça, je peux déduire sa colonne 1. Ça va pas l'air. Oh, puis ici. Je peux pas. Si, je peux pas. Là, je suis bloqué, hein. Ça veut dire que tu as une technique là-dedans. Je suis pas bloqué parce que dedans la colonne 8 ici, là. Le 1. Ça ne peut pas avoir de 1 ici. C'est un 0 direct. Sinon, un trio de 0 ici. Bon, là, c'est un 1 qui va là. Là, je mets des chiffres qui sont faciles à mettre. Bon, cette colonne-là. Colonne 7. Il y a 4-1 puis 3-0. Donc, alors là, je peux déduire sa deuxième ligne. Là. Dans ces 7, c'est 0 parce qu'il y a déjà 2-1 tollé.
Puis j'avais oublié le 0 là aussi. Mais ça pouvait pas être un 1 non plus. Bon! Ça, c'est la Tolène 6. Non, PIFR, c'est la Tolène 6. Il y a TAC 1, il y a TAC 1 et 3-0. PIFR là. Là non plus. Là, c'est Tolène, là. Je peux rien faire non plus. Là non plus, là non plus. Là non plus. Ben ici, t'as déjà 3-0. Là, ça peut m'aider, c'est la 9e Tolène ici, là. Parce que si on met un 0 là, il y a forcément un triplette à ta part. Soit là ou soit là. Donc c'est un 1 qui va là. Bon. La 10e rangée, il manque un 1 à mettre. Donc c'est qui va dans un des deux tasses pour le 1 là. Un 1. Donc c'est ici, c'est 0. Ça, c'est le 1. Ça permet que là, on est déjà 5-0. Faut mettre le dernier chiffre, le 1. Bon, ici. C'est la 8e rangée. 4-0 et 3-1. Donc, si on met 0 ici, c'est impossible. Sinon, il y aurait un trio de 1 ici. Là, là, puis là, il y aurait des 1. Donc, c'est interdit. Ça ne peut pas être un 0. C'est un direct. Bon. J'ai mis le 1, là, je pense qu'il y a 4, 1 et 4-0 ici, oui. C'est la 7e rangée. Bon, c'est la 6e. Je peux rien faire. 4e non plus. 3e non plus. 2e. 2e, je peux faire autre chose à la 2e rangée. Le 1, on peut pas le mettre là. Parce que sinon, il y aurait 3-0 ici. 0, 0, 0, 1. Puis ça peut pas être le 1. C'est un 0. Bon, puis la 10e Tolène. Il y a déjà 5-0 demi. Donc, c'est le 1 qui manque. Bon, sur la 6e rangée, j'ai déjà 5-1 demi. 1-1-1-1-1. Donc, c'est un 0. Bon, là, les deux 0 sont à l'ensemble. Là, on sait que c'est le 1. C'est comme un petit tatou. Faut t'empêcher l'autre d'avoir trois pareils. Bon, quatrième rangée aux lignes, j'ai déjà 5-1 demi. Donc, c'est un 0. Puis ça, je peux faire toute autre chose sur la 7e rangée. J'ai déjà 5-1 là aussi. Donc, c'est un 0 qui manque. Bon, il reste juste ça à trouver ici, ici, puis ici. Là, je tape à la chaque rangée, là. 2e rangée. Non. 3e rangée, non. 8e rangée. Je peux pas. 9e. Ça n'a pas l'air. Le 10e. Non plus. Je peux rien faire, c'est rangé. Sur les Tolènes maintenant. 2e Tolène. Je redale la 2e Tolène. Je peux rien faire. 3e Tolène. Non plus. 6e Tolène. Non plus. 7e Tolène. Non plus. Si je peux rien faire dans les 8e et 9e Tolène, donc il y a forcément une série de chiffres dans une ligne complète, une série de chiffres presque pareil dans une, à part d'un chiffre. Ou à part d'un chiffre, là. Bon, 8e Tolène, est-ce que je peux faire autre chose? Non. 9e Tolène. Non, je peux rien faire. Donc, je suis rendu au règlement numéro 3. Intéressant par région
Non, il n'y a pas de région là-dedans. Itération de ligne. Soit c'est deux lignes ou deux colonnes. Mais je vais commencer par la deuxième région. Non, c'est pas une région, ça. C'est une commencer par la deuxième rangée. Bon, regardez où sont placés les 1. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. Ah, je viens de le voir. Dada, comme il faut, là, je souligne la ligne là, puis je souligne la ligne ici. Là, vous voyez, la ligne en bas est en bleu, là. Là, Dada, les 1, là, je te montre toutes les 1. Ici, ça ne peut être 1. Sinon, ça se répéterait. Donc, c'est un 0, puis un 1 ici. 0, 1. Bon, est-ce que ça débloque ici? Ça n'a pas l'air parce que ça touche pas autant des trucs ici. Bon, il faut que je t'assure le même truc. Une autre itération de deux lignes ou deux colonnes. Je commence par les lignes en tour. Je vais appeler 1, 4, 6, 8, 9. Je peux pas. 7 non plus, je peux pas. Puis ici, je commence par 0. 1, 3, tac. 1, 3, tac, 8. Non, je peux rien faire sur les lignes. C'est les colonnes. C'est les colonnes directes. Deuxième colonne. Je vais dans les zéros, là. 1, 3, 4, 7. 1, 3, 4, 7. Ah, là, ça marche ici. Dans la deuxième colonne, puis la cinquième colonne, là. Je vais dans les zéros. Je mets toutes les tousseurs sur les zéros. Ça peut pas être un zéro. Donc, le zéro va ici. Le 1 va là. Le 0 va là, le 1 va là. Est-ce que ça débloque ici? C'est la 9e et 10e rangée. Ça n'a pas l'air. Bon, je vais vérifier à tous les rangées. Là, je donne les 0. 9e rangée. 2, 4, 9, 10. 2, 4, 9, 10. C'est pas ça. Les 1 maintenant. 2, 5, 9, 10. 2, 5, 9, 10. C'est ces colonnes en tour. Là, ça va être facile, là, ça va tout débloquer, là. Ouais. Bon, je donne les 0. 1, 4, 6, 7. 1, 4, 6, 7. 1, 4, 6, 7. 1, 4, 6, 7. Je peux rien faire. Ça doit être cette colonne-là. Parce que les autres ne fonctionnent pas. Je vais d'aller 1. 1, 4, 6, 7. 1, 4, 6, 7. 1, 4, 6, 7. Oh, ça marche. Cette colonne, 7 et 10. Je date bien les 1. Là, je mets toutes les trousseurs sur le 1. 2. Non, c'est 1. 4. 6. 7. Et 7, ça peut pas être un 1, c'est un 0. Là, je mets le 1 là. Le 1 là. Puis le 0 ici. Puis la grille est complétée. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous retrouver d'attel toujours pour d'autres vidéos. Bonjour à tous.